attendus, qui polémique, l'émission polémique qui prend le contrôle tous les jours à partir de 13h30 sur la 3. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre encore une fois pour ce nouveau numéro de PPLK. Bonjour Marie-Dominique. Bonjour Annie. Comment ça va? Très bien. Passez un bon week-end? Super. Ça se voit, ça se voit. Ça se voit avec ce et toi, il était beau ton week-end? Je ne peux pas le raconter ici, mais je te le dirai encore une fois. En privé. Tout le monde sait que je passe de bon week-end, mais bon, on va se raconter nos vies après. Bonjour Désiré, comment ça va? Oui, ça va très très bien. Oui, le week-end s'est très bien passé, voilà, parce que vous savez, moi je suis très casanier, donc... Personne ne le sait. Personne ne le sait. Il y a de quoi. Il a la parole. Comment va Hervé? Super bien, merci. Pas se voir. Quand même. Bon, ça va, je vais bien. Très bien. Mesdames, sur ce plateau, vous êtes magnifiques. Oh, merci, je fonds. Je fonds. Merci beaucoup. Comment il va, Anaconda? Je suis convalescent. Il fallait commencer par moi, mais fais un peu des câlins. Non, c'est pas comme ça. Je garde toujours le meilleur. Il a dit des câlins. Je garde toujours le meilleur. Déjà, même que j'aime bien ton décolleté. C'est pas comment on appelle ces modèles. Non, c'est pas un C'est asymétrique. Anaconda voit des décolletés partout. Partout, je ne te fais pas dire en tout cas. Merci beaucoup les gars d'être là ce matin. On va faire une très très belle émission, j'en suis sûre. À présent, nous vous déroulons la surprise qui vous attend aujourd'hui à travers ceci. Bienvenue à l'émission numéro 1 sur la polémique. Aujourd'hui, nous déballons le tapis rouge à la diva de la musique africaine, l'impératrice Aïcha Kone. Retour sur le parcours impressionnant de Mama Africa, qui d'ailleurs se prononcera sur l'actualité People. Vérité par l'image et face à Anaconda, ce sont les rubriques qui vont pimenter les échanges, alors ne zappez surtout pas. Sa tessiture vocale est reconnaissable parmi mille. C'est une diva, que dis-je, c'est la diva de la musique ivoirienne. En ce moment, elle est partout, on la voit partout. Pourquoi? Vous en savez tout plus à travers cet élément. La divine fille de la dynastie des Kone, la diva Aïcha Kone. Visage emblématique de la musique féminine moderne, la voix par excellence, Aïcha Kone est l'exemple même de la chanteuse qui réussit une carrière exceptionnelle. Déesse des scènes, diva des palais les plus prestigieux d'Afrique et du monde, l'impératrice Aïcha Kone, Mama Africa, la légitime héritière de Myriam Makeba, continue de régner sur la musique ivoirienne. Une place de choix qu'elle occupera certainement encore pendant longtemps. Même si ces dernières années, la diva s'illustre aussi par sa présence constante sur les réseaux sociaux, même si cela lui vaut des fois des infortunes, Aïcha Kone la femme, Aïcha Kone la mère, Aïcha Kone la diva, l'impératrice de la musique africaine, Aïcha Kone et les affaires. Tout un programme à découvrir dans une poignée de secondes. Originaire de Gbon, ville du département de Boundiali dans le nord de la Côte d'Ivoire, Aïcha Kone est incontestablement une référence de la musique africaine. Née à Adjamé, une commune d'Abidjan, elle vit et grandit au quartier d'Alas, auprès de ses parents et une dizaine de frères et sœurs. Elle intègre l'Institut National des Arts, aujourd'hui Institut National Supérieur des Arts et Cultures. Devenue chanteuse grâce à l'encadrement de grands noms de la musique et des médias, dont Boukana Baïga et Georges Taï Benson, Aïcha peaufine son art au sein de l'orchestre de la RTI. Avec plus de 46 ans de carrière, 2 disques d'or et une cinquantaine de prix et trophées, la diva reste et demeure une référence incontournable. Merci beaucoup Marie-Dominique pour tous ces détails concernant notre invité de ce jour. Merci de nous avoir dit un peu plus. Merci pour ton vocabulaire, surtout on a beaucoup aimé. Mesdames, messieurs, accueillons ensemble Aïcha Kone. I do my way. I live in eating Kilimo. Nale kuma fonye so. Uma kaumini du mangele. We are fought away. I live in fonye tombi. Nale kuma fonye so. Uma kaumini du mangele. Get on go.
moi les fini que tombé. Fotango, moi les comani, fotambi. Nale koni ken na song, komini do mangilenge. Na unko, here hey yamui. Na unko, baria hey yam. Na unko, singi ya hey yam. Malaika, na kopenta malaika. Malaika, na kopenta malaika. Inge kuwa wa madiwe. Inge kuwa wa dada. Nashi, nashi, yes, I love you, Malaika. Oh la la. Nashi, don't know my deeds, you know. My love, Malaika. Guantanamo, Waira Guan. Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. C'était un homme en déroute, c'était un frère sans doute. Il n'avait ni lieu ni de place sur les routes de l'exil, sur les sentiers, sur les plages, il me parle de sa vie. Guantanamo, Guaira Guantanamo. Bonsoir. Bonsoir, la diva. Merci. Bonsoir, on l'accompagne, s'il vous plaît, avec des applaudissements. Okay. Elle n'a pas perdu de sa superbe, hein. La voix est restée pareille. Moi, elle m'a entraînée. Elle a voyagé avec nous. Elle est partie de Myriam Makeba jusqu'à Cuba et tout ça, franchement, avec Pompé Segundo, vraiment. Bravo. N'est pas diva qui veut, mais qui peut. Merci. Mais qui peut. En tout cas, nous c'est sommes vous, fiers, hein. fiers d'être en votre compagnie. Comment va la diva Kone Masata? Je ne me plains pas. Vous ne vous plaignez pas. Ça va. Ça va très bien. Nous aussi, on va très, très bien. Nous sommes heureux de vous retrouver. Merci. Ça fait plusieurs fois que vous revenez sur ce plateau. Ici, c'est chez vous. Hein, vous savez très bien. Merci. Mais pourquoi avoir choisi de vous appeler Aïcha Kone? C'est quand on est l'homonyme d'une grand-mère, d'une personne âgée, on met ma par respect. D'accord. C'est Aïchata, mais les Blancs, peut-être ils ont pensé que les parents ne prononçaient pas bien. D'accord. Ils ont écrit Masiata, sinon c'est ma Aïchata. C'est Aïchata. Oui, Aïcha. Comme on dit maman Aïchata. Macha, ou comme Aïcha. Mawa, tu diras Awa. Ma-awa. Donc, voilà. La diva Aïcha Kone, avant, maintenant et demain, quelles explications à sa si grande présence sur les réseaux sociaux? Tel est le sujet qui est soumis aujourd'hui à notre sagacité. On en discutera durant cette émission. Mais avant, je vous rappelle que nous avons un sondage dans cette émission. Aïcha Kone est-elle honorée par les Ivoiriens comme il se doit? Aïcha Kone est-elle honorée par les Ivoiriens comme il se doit? Nous vous appelons à voter massivement sur la page Instagram de cette émission. On vous donnera les résultats avant la fin de cette émission. Alors...
On vous connaît comme étant une très, très grande dame de la musique ivoirienne. 45 ans de carrière célébrée au Sofitel Hôtel Ivoire le 7 août 2022, si mes souvenirs sont bons. On a vu toute la communication qu'il y a eu autour. Vous avez glané des distinctions. Mais avant, on a connu Aïcha Koné auprès de quelqu'un. Si vous êtes prêts, on vous montre cet extrait et on en rediscute tout de suite après. De ce siècle qui va finir, tu rappelles par ton sourire passé, présent et avenir. Elle est si belle, ton histoire, celle de ce petit enfant noir que les fées un jour ont choisi comme berger pour son pays. Elle est si belle, ton histoire, raconte-la encore ce soir. La belle histoire que tu as. Quelle grâce. Merci. Quelle grâce. C'était à côté de Manu. Manu. D'accord. C'était dans quelles circonstances? Bon, c'était un ami de M. Bourgoin, qui a été mon époux, le père de Tchaga. Et c'était son ami qui avait trouvé que j'interprétais bien les chansons de Mireille Mathieu, ouais, okay. Charles Aznavour, Enrico Macias, et qui a fait cette chanson pour le président Fouette. Et voilà, c'est une. Et ça, c'était en quelle année, précisément? Waouh, ça fait vieux. Ça fait longtemps. Vraiment. Ça fait longtemps. S'il y a une autre chose qui fait longtemps, c'est la sortie de Denis Kelleni depuis 1979 à aujourd'hui. La diva, quel est le secret de cette si longue carrière? 45 ans, c'est pas 400, c'est pas 4 jours. C'est 45 minutes. Ben, disons que c'est le travail. J'ai toujours rêvé d'être une chanteuse, une messagère, voilà. Par admiration pour Myriam Makeba, une dame aussi que j'ai eu à côtoyer. Ça a été une très bonne école pour moi, une bonne expérience. Je l'ai assistée en Guinée à ses répétitions et tout. J'ai vu le sérieux qu'elle y mettait et puis bon. J'ai eu la chance aussi d'être encadrée par des maîtres comme Bonkana Maïga, Manu Dibango, les doyens comme Taboulé Rochoro. Ah oui. Machata. Oui, Machata. Oui, Machata. Mili-Wouli, Machata. Hein? Ah bon? D'accord. Je vais t'appeler Machata. Je vais t'appeler Machata. La chanson Denis Kelleni, comme mon frère l'a dit tout à l'heure, c'est une chanson qui t'a ouvert la porte en Guinée. En Guinée, comme la chanson Denis Kelleni, en Gambie, la porte en partout dans, l'Afrique de l'Ouest. Mais le président fait ce que tu l'es accueilli à cause de cette chanson. Ce qu'il À cause de Moussa Nyalende. Moussa Nyalende. C'était pas Denis Kelleni. Mm-hmm. Denis Kelleni, c'est pour mon premier fils que j'ai fait. D'accord. Le grand frère Tchaga, qu'on appelle Abdoul. Mais j'ai été en Guinée à cause de... Grâce, pas à cause. Grâce à la chanson Moussa Nyalende. Laïla Moussa Nyalende, Odin Tétien. Ça veut dire l'enfant de la femme soumise réussit toujours. D'accord. Parce que c'est la femme qui endure... qui accepte et tout. Non, on sent tout de suite que c'est une voilà. Très belle chanson qui vous a ouvert. C'est dédié, voilà, parce que le président Sékou Touré a trouvé que c'était assez sensé ce que je disais. Donc, il aurait demandé au président Fouette. Il paraît que la fille qui a chanté Moussa Nyalende est une Ivoirienne. Elle a dit oui, c'est la fille a un ami à moi, qui est un député
et qui est aussi un collègue parce que mon père était dans la médecine. Le président Sékou Touré a demandé à nous voir Jimmy Hyacinthe et moi. Que parce que Jimmy, à travers son goli, c'était des rythmes qu'on retrouvait dans la zone forestière de la Guinée. Mais l'enfant en question, Tchaga, aujourd'hui, tu penses qu'il peut faire une carrière musicale? Tchaga? Oui. Bon, moi, je ne suis pas de... obligé là. D'accord. Voilà, il va choisir. D'accord. Oui, moi, je voudrais revenir à la carrière de la diva, une grande carrière. Hervé l'a signifié tout à l'heure, plus de 45 ans de carrière, quelque chose d'incroyable. Mais cette carrière a été marquée aussi par deux disques d'or. J'aimerais revenir un peu sur ces deux distinctions. Comment est-ce que cette époque, à cette époque, comment est-ce que la diva a vécu ces consécrations? Bon, j'ai travaillé avec des grandes maisons comme Aimé, Pathé Makoni. Ok. Voilà. Donc, ces disques d'or-là viennent de ces maisons. D'accord. Donc, ce ne sont pas des disques d'or ivoiriens? Non, 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 non. Okay. Non, ce n'est pas ivoirien. La firme Pathé Makoni est très connue. Ouais. Et c'est des gens avec qui on travaillait. Il y avait aussi Eddie Constantin qui a travaillé avec Mori Kanté. Qui a fait le lancement de Yékéké. Voilà. Pour revenir à ce qu'Anaconda disait, pour parler aussi de votre famille, de vos enfants, on parlait de Tchaga tout à l'heure, il a commencé la musique, aujourd'hui il est un peu moins vu et entendu sur la scène. Est-ce que finalement le fait d'être le fils de la diva n'a pas été plus un fardeau pour lui qu'autre chose? Je ne pense pas que ce soit un fardeau, parce que Tchaga chante très bien. Oui. Il est romantique, il a son genre. Bon, il est un peu dans ses amours, il vient de se marier. Ah, ok. Donc, félicitations. Bon, il est libre, c'est lui qui verra après. Marchata, tu as 45 ans de carrière. Oui. 45 ans de carrière. Est-ce qu'il y a un nom au monde entier à qui tu dois ça? Myriam Makeba, et puis la Côte d'Ivoire, un monsieur comme Monsieur Georges Benson. Monsieur Ben Soumaro, paix à son âme, paix aussi au ministre Laurent Donafologo, qui à l'époque était le ministre, ou bien le grand directeur aussi concernant la culture. Et puis, il y a ce nom que j'ai cité, Myriam Makeba, qui m'a inspiré. Parce qu'il y a eu un concert avec Reine Pélagie. Ou après le concert, les journalistes ont écrit des thèses, tu t'es un peu vexé. Et après, il y a un grand homme aussi qui t'a offert une salle gratuite. Je venais parce que, comme je le disais, c'est vrai qu'après le concert, ce qui avait été dit me concernant n'était pas vraiment agréable. J'avais le moral sapé. Et Roger Fulgence Cassi, qui est venu me trouver à la maison en pleurs, accompagné de M. Georges Benson, qui ont dit non, tu es une grande chanteuse, mais dans ce métier, c'est comme ça, c'est une jungle. Tu vas tomber sur des gens qui ne t'aiment pas. Et quand ils vont te cogner, si tu baisses les bras, c'est fini, ils auront gagné. Et en temps, pendant qu'eux, ils me consolaient, on reçoit un coup de fil à la maison, M. Ben Soumaro, qui demande à me voir. Donc, je vais en compagnie de Monsieur Benson et Fulgence Cassi. Me dit, le président vient d'appeler. Il n'a pas aimé l'article, là. Il dit que tu es sa fille et que tu es une bonne chanteuse. Ça fait combien de temps tu chantes? Et avec Monsieur Benson, on a fait le temps. Ça faisait 10 ans. Déjà? Il dit, bon, on va célébrer tes 10 ans et le président veut offrir gratuitement cette soirée pour que les Ivoiriens viennent voir si vraiment tu apprécier le talent de... Merci. De la diva. Bon, ça, c'est, je le dois au président parce que... Donc, tu es 45 ans, tu dois au président. Non, pas les 45 ans. Pas les 45 ans. On est aux 10 ans. 10 ans. Voilà. C'est aux 10 ans parce que j'étais découragée. Voilà. Elle voulait plus chanter. Oui. Que tu étais découragée. Oui, j'étais pas motivée. Hein, mais voilà, donc tout ton parcours jusque-là, tu dois au président faire Félix Oupomoyi. Toute ma vie, je lis de... Mais justement, parlons de ce que vous devez aux gens. Quelles sont les dates qui vous ont le plus marqué? Bon, mes 10 ans, la célébration de mes 10 ans, la somme qu'il m'a
donnait, qui n'avait rien à voir avec ce qu'il donnait aux musiciens, aux encadreurs et tout. Bon, il a tout pris en compte, hein, 10 millions pour mes 10 ans d'année. Aujourd'hui, vous êtes à 45 ans de carrière. Est-ce qu'il y a eu, c'est vrai que ces 45 années n'ont pas seulement été roses, il y a forcément eu des zones sombres. Est-ce qu'aujourd'hui, la diva peut nous parler d'une période très sombre de sa carrière qu'elle regrette ou... À part ces 10 ans-là, j'ai toujours... Aucun regret. Aucun regret. Oui, parce que vraiment... C'est très bien passé. Moi, j'aimerais m'adresser maintenant à la mère. À la mère, à la maman, à la grand-mère. Merci. Parce que lorsqu'on a une très grande carrière, comment on gère la vie de famille, il y a l'éducation des enfants. Comment est-ce que la diva s'organisait? Oui, mes enfants sont bien éduqués. Vous avez combien de petits-enfants? C'est peu, hein. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Une multitude. D'accord. Il y en a, il y a les enfants de mes sœurs qui sont restés avec nous et tout, et qui ont aussi eu des enfants. Vraiment, je suis arrière-grand-mère. Parlons J'ai des petits-enfants, arrière-petits-enfants, qui sont gabonais. Ah, d'accord. Attends rapidement, oui, rapidement, on va prendre un appel. Oui, moi, je veux savoir, on a la grand-mère, mais la belle-mère, Aïcha Koné, comment elle se comporte avec ses belles-filles? Bon, mes belles-filles, je ne vais pas les déranger parce que dans mon premier mariage avec le papa de Tiaga, ce n'était pas ça. Entre le papa de Tiaga et moi, tout était parfait. Mais ses sœurs, c'était très compliqué. J'étais obligée de lâcher parce qu'à un moment, ma mère m'a dit hey, un foyer dans lequel les sœurs ne t'aiment pas, les sœurs du mari, tu vas souffrir, il y aura des rancœurs. Et ça, à la longue, ça va jouer sur les enfants. Or, plus tard, ce sont tes enfants qui seront tes amis. Donc, c'est à cause d'elle, en fait, que oui. Vous perdez votre... Mais un seul me soutenait, je tiens toujours à lui dire merci, c'était Édouard Bourgoin. D'accord. On va prendre un appel. Il y a quelqu'un, on a quelqu'un en ligne qui a envie de vous faire un coucou. Vous parliez tout à l'heure d'enfants, de petits-enfants. Ben, elle, je pense qu'elle se considère même comme votre fille. Hein. Coucou tout le monde, coucou la team, j'espère que vous allez bien. Coucou à mon amour, ma mère, ta chérie, ma maman d'amour. J'espère que tu vas bien, j'espère à Kinshasa. Je joue ce soir, mais j'ai tenu à faire cette vidéo-là pour te dire combien de fois je t'aime. Merci pour ce que tu représentes pour moi. Merci pour tout ce que tu es. Que Dieu te donne une longue vie, mais une très longue vie, une longue vie. Et que tu sois toujours en bonne santé parce que nous, on a encore besoin de toi. Qu'est-ce que je vais dire sur toi? Qu'est-ce que je vais encore dire? Franchement, de toute façon, vous la voyez là, c'est comme ça elle est. Elle est amour, elle est adorable. C'est une grande dame. Franchement, c'est un cadeau du ciel, cette grande dame. Je n'ai même pas les mots pour la décrire. Bon. Le reste que je sais d'elle, là, si je dis ça, c'est là, elle va m'insulter. Donc, je ne parle pas. En tout cas, mamie, merci beaucoup. Bonne émission à toi, que Dieu te garde. Et puis, on s'attrape au retour. Merci beaucoup, Priscilla Degameuse. C'est un très bon mot qui vous a touché. On voit depuis tout à l'heure que vous êtes très émue. Quel souvenir vous gardez de Priscilla? Vous savez, ça fait plaisir d'entendre. Quand vous avez côtoyé des enfants qui sont restés avec vous, quand je suis allée en Guinée, presque a été avec moi aussi dans l'avion, avec ma famille, mes enfants et tout. C'est une partie de moi. C'est vrai, c'est une partie de vous. On a une autre vidéo pour nous permettre de nous délecter de votre fabuleuse voix. Honorée par les Ivoiriens comme il se doit. Aïcha Koné est-elle honorée par les Ivoiriens comme il se doit? Nous vous invitons à voter massivement. On vous donnera les résultats avant la fin de cette émission. Viviane Akonda, vas-y. Moi, ce que je vais demander à Machata, c'est, je vous demande, dans la musique mandingue, les chanteuses mandingues, laquelle qui vous a plus inspiré à vos débuts? Je vais dire de Nawa Doumbouya, à Ami Koïta, à Kumba Sidibé ou Djeneba Sek. Bon, moi, je nage quand même dans ces différentes cultures-là parce que je suis Senoufo. De bon précisément, mais nos rythmes, vous les retrouvez dans ce côté du Mali, Sikasso, Bougouni, la région où vivent Nawa Doumbouya, Oumou Sangaré et Ami Koïta, c'est beaucoup plus côté genre opéra. Ok, d'accord. Donc, ces différentes musiques-là, j'ai baigné là-dedans. Parce Mais la voix qui vous a marqué, la voix mandingue au niveau du Mali. La voix, ouf,
J'ai pas mal d'amis. Hein. Non, pas à côté. D'abord, c'est la voix qui a marqué. Il y a Ami Koïta, qui est une grande chanteuse. Ensuite, tu as Kandia Kouyaté. Tu as... Il y en a tellement, il y en a Naini Diabaté. Et puis, Babani Kone. C'est ça. En fait, le truc, c'est qu'Annie France, c'est pas une question de créer une polémique. Si maman cite des noms, d'autres vont mal parler. Non, il y a des voix qui ont marqué l'histoire de la musique mantin. Mais c'est de ça que je te parle. Ils veulent plus préciser, en fait. Oui. On ne peut pas créer des mais quand il y en a beaucoup. C'est normal. Sinon, pour moi, la plus belle voix de musique mantin, c'est Nawa Dumuya. On en saura un peu plus tout à l'heure, Anaconda. Pour l'instant, nous sommes avec... C'est dans le mantin, mais ça fait... Wassoulou, ça fait Bougouni. Oh, ok, mais pour il y a une différence. C'est Aïcha Koné la plus belle voix. Au total, 26 albums et 47 distinctions et 2 disques d'or. Hervé le disait tout à l'heure, mais en même temps, Aïcha Koné, c'est une maman, une mamie star qui est très in parce qu'en ce moment, on la voit beaucoup, mais beaucoup sur les réseaux sociaux. Et vous en pensez quoi? C'est vrai ou pas? Eh oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on la voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Très branchée. Elle est très branchée. Même TikTok, je l'ai vu. Attention. Oui, mais parce que c'est mon dernier, Baba. Qui aime beaucoup. Oh, maman, réveille-toi un peu, bouge. Ça va. Et puis, c'est tout en lui qui me dit, ça a marché, hein, il y a tant de vues. Maman, tu as vu? Ah, c'est lui qui vous pousse, en fait. C'est lui qui me pousse, qui aime bon. Et puis, j'ai vu que les gens aiment. Donc, finalement, la présence de la diva sur les réseaux sociaux, c'est plus une stratégie mon pour fils, attirer l'attention aussi. Mes enfants jouent beaucoup dans ça. Bon, ils trouvent que ça fait brancher. Est-ce qu'ils vous ont expliqué l'envers du décor? De toute façon, hein. Il n'y a pas de rose sans épines. Ah, c'est bien dit ça, par contre. Mais par contre, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, c'est pour chercher de l'argent ou mais concrètement, c'est uniquement la visibilité? Visibilité, tout va avec. Hein. On ne peut pas être un artiste, une célébrité, sans parler de visibilité. Ça, il ne faut non, pas pour chercher de l'argent. Se voiler la face. L'argent, j'ai connu l'argent longtemps, hein, depuis mes débuts où j'ai commencé mes tournées. J'ai eu la chance de croiser des, même en dehors des chefs d'État, mais des gens bien qui sont prêts à faire plaisir à Aïcha. C'est ça aussi le plaisir dans notre métier. C'est clair que les réseaux sociaux contribuent à la communication d'un artiste, mais est-ce que Aïcha Koné n'a pas peur des effets, j'ai envie de dire, contraires? Parce qu'il y a aussi le revers de la médaille. C'est ce que je vous dis. Elle a dit qu'il n'y a pas de rose sans épines. Il n'y a pas de rose sans épines. Mentalement, elle est appréciée. Pour s'amuser peut-être, mais il y a aussi les polémiques. Généralement, il y en a eu pas mal aussi. Bon, on traverse... Notamment celle avec Afu Keïta. Bon, on traverse une période... je ne sais pas si c'est la crise qui nous a mis dans ça, mais le manque de respect ou de politesse envers les personnes âgées... Le manque de respect. Oui. Vous avez des exemples? Non, mais je ne veux pas rentrer dans ça. Vous estimez en fait que Afu Keïta vous a manqué de respect? D'accord, vas-y. Oui, en fait, en ce qui concerne cette situation avec Afu Keïta, on a tous été témoins de cette situation sur les réseaux sociaux. Déjà, une première sortie d'Afu Keïta concernant la diva. Ensuite, la mère d'Afu Keïta a joué la médiatrice pour régler la situation. Là, il y a une première sortie. Ensuite, il y a une seconde sortie d'Afu Keïta qui a poussé sa mère à intervenir aussi, à attaquer via les vidéos la diva. Après, avec l'intervention de plusieurs personnes, bon, tout s'est arrangé. On a entendu des excuses du camp d'Afu Keïta et de l'autre côté, le pardon de la diva, non, puisqu'on a entendu la diva sur un plateau affirmer qu'elle n'était pas disposée à pardonner à Afu Keïta. On espère que sur ce plateau, il y aura... Elle finira par lui pardonner. Voilà, merci beaucoup, Désiré, pour ce rappel des faits. Merci beaucoup. Ben, je te prends au mot, Désiré. Effectivement, nous avons une VAR dans cette émission, la VAR qui vous montrera le début de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Concernant la diva Aïcha Koné, récemment sur un plateau, tu disais que tu t'es vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé, mais tu ne regrettais pas. Pourquoi? Pourquoi pas de regrets? Pas de regrets. Parce que Aïcha, c'est ma maman, que je l'aime autant. Vu aujourd'hui, à fois sur ce plateau, c'est grâce à Dieu, grâce à la dame-là. Grâce à ce conseil, c'est elle qui m'a donné le micro avec Tanti Fatou. Et puis Tonton Zoromé, père à son âme. C'est les trois qui m'ont fait Afu. Et vous reconnaissez comme étant sa mère?
Mais pas de regret. Il n'y a pas de regret. J'ai pas dit le contraire. D'accord. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux savoir? Non, mais parce que tout à l'heure, dans les faits, selon ce que Désirée vient de nous raconter, il y avait des quiproquos entre vous. Vous ne vous entendiez pas forcément. Et là, c'était la réaction de Afou Keïta. Mais justement, pas que, parce qu'il y a là aussi la mère d'Afou Keïta qui a réagi, comme ce que Désirée disait, qui a réagi à la suite de votre sortie, qui a bien sûr défendu sa fille. Comment vous avez considéré cet épisode-là? Je n'ai vraiment plus envie de m'attarder sur ce genre de problème. Non, parlons d'autre chose. Mais ce que je veux dire, vous avez fait une sortie, vous avez dit Roselyne Lario qui vient d'arriver a eu disque d'or. Ça sous-entend des choses. Selon moi, hein, mais est-ce qu'elle-même son disque d'or là, elle mérite ça? C'est à moi que tu poses la question. Ah, mais c'est vous qui avez dit que Roselyne Lario. Mais est-ce que ce n'était pas dit? Est-ce que ce n'était pas dit? Attends, oui. Est-ce que ça n'a pas été dit qu'elle elle est disque d'or? Oui, elle est... Si. Moi, je n'étais pas là-bas, oui, mais si ça a été dit... Elle vient d'arriver, elle est disque d'or. Mais est-ce qu'elle ne vient pas d'arriver? Est-ce qu'elle ne vient pas d'arriver? En fait, officiellement... ce qu'Anaconda veut dire, officiellement, elle a commencé il y a deux ans. Mais elle a quel âge sur la scène? Elle est très jeune. Alors, par rapport... c'est tellement clair. Moi, je n'offre pas les disques d'or. C'est clair. Moi, je n'offre pas. J'étais même en Guinée-Bissau quand j'ai appris ça. Et vous, en fait, on ne comprend pas. Est-ce que vous étiez en train de la féliciter ou bien... Mais si elle a reçu un disque d'or, il faut la féliciter. Oui. Ce n'est pas à moi de dire non. Il y a félicitation, ma fille, pour ton disque d'or. Mais quand on dit Roselyne Lajoumé qui vient d'arriver... Mais elle ne vient pas d'arriver. Soyons clairs. On a deux ans de carrière. Oui, on a l'impression que... Non, c'est vous qui voulez sous-entendre ça. Moi, je la félicite si elle a reçu un disque d'or. Si elle est arrivée hier qu'elle a eu, félicitations. Je m'arrête là. Mais cette affaire, je ne veux plus revenir là-dessus. Est-ce que la diva pense qu'il y a des artistes qui devraient avoir des disques d'or, mais qui ne les ont pas eu? Bon, vous savez, maintenant, je ne peux pas trop me prononcer sur les disques d'or qui sont là. Parce que quelles sont les maisons de production? C'est comme moi, j'ai appris comme vous tous sur la place qu'on lui a offert un disque. Certains même m'ont dit que non, c'était au cours d'un spectacle. Je ne sais pas c'est quelle maison. Oui. En fait, puisque ça a été dit, moi je l'ai dit, mais félicitations. De toute façon, en fait, le monde sait que vous, Afou, est votre fille. Afou est votre fille, tout le monde en sait ça, vos liens sont tellement poussés. Mais quand vous prenez position pour Roselyne Lario... Qu'est-ce que tu appelles position? Mais vous avez pris position pour... Non, j'ai dit que je la félicitais. Non, au-delà des... Ce n'est pas une position, c'est vous qui avez mal pris ça. Il parle d'un autre sujet. Au-delà du disque d'or, il y a eu aussi la polémique entre Roselyne Lario et Afou Keïta concernant... Sur le plagiat. Mogofarimant. On vous a vu encore prendre position pour dire que ce n'est pas la chanson... Je vous ai dit... Vous savez, moi, j'ai fait la Mecque. Je m'appelle Adia Aïcha. Alhamdoulilah. Et c'est dans les commandements. Tu ne mentiras point. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Je vous dis ce qui est fait. Où est venue la polémique? Celle qui a composé cette chanson s'appelle Dioma Fanta, avec qui j'ai eu à travailler pendant mon séjour en Guinée. Je connais Dioma Fanta. Elle est la créatrice de cette chanson. Qui est Coucou. Coucou. Pour couper court, j'ai dit non. La chanson n'est pas de Afou. D'accord. Ça, c'est pas, moi, je ne vois pas la polémique. C'était cru. C'est pas grave, Anaconda. C'était cru ou pas. Vérité est une vérité. Voilà, elle a dit sa vérité. Vas-y. Moi, je ne mens pas. C'est la fille de mon ami, mais je ne mentirai pas pour ça. Parce que je vais mourir seule. Je serai seule dans ma tombe face à mes actes. Elle est objective. Vas-y. Alors, on va revenir sur les réseaux sociaux, puisque... On va continuer. Vas-y. Voilà, sur les réseaux sociaux, avec une autre affaire, celle avec Aya Robert, Bigini, Mariam Ba. On a tous vu ce qui s'est passé entre l'histoire, entre Mariam Ba et Bigini. En fait, c'est l'histoire de deux chanteuses, deux amies. Deux chanteuses maliennes, voilà. Des meilleures amies qui sont devenues rivales et plus tard ennemies. Donc après, elles ont été opposées naturellement par leurs fans. Donc d'un côté, on a le camp Bigini avec ses fans et ses proches, dont fait partie la diva Aïcha Koné, qui a même fait une chanson dédiée à Bigini Totempale.
Ouais. Et de notre côté, on a Mariamba, soutenue par ses fans et ses proches, Aya Robert, Yaka Yaka et bien d'autres. Et là, récemment, il y a eu Matika, une femme d'affaires, bienfaitrice des deux artistes, qui a été la cible des fans de Biggini. En retour, Aya Robert a répliqué, elle a attaqué bien sûr Biggini de manière virulente. La diva a fait une sortie pour donner des conseils. On a la vidéo, avec ta permission, on regarde. Bien sûr. Hey, c'est méchant ce que tu fais. Ça fait pas bien quoi. Ça fait pas bien éduqué et c'est très méchant. Comment tu peux parler comme ça à quelqu'un comme toi? Tu es vilaine. Va chanter. Si elle ne chante pas bien, mais laisse-la. Tu ne peux pas t'acharner comme ça. Non. On ne connaît pas ça des Ivoiriens. Aïe. Je t'aime bien. J'aime souvent te suivre et tout. Mais là, je ne te reconnais pas. Bon. Ça, c'était un extrait de la vidéo. C'est un extrait de la vidéo de la diva Aïcha Koné sur notre plateau. Il y a eu forcément une réponse de la part de Aya Robert. Si vous permettez, on va suivre cette réponse. J'aurais voulu que tu sortes en tant que maman, en tant qu'une diva. Et tu dis aux gens qui insultent Makita d'arrêter d'insulter Makita. Et tu nous demandes à nous, moi par exemple, qui m'en prends aussi à Biggini parce qu'on s'en prend à Makita, de stopper. Tu ne viens pas demander à un camp de cesser le feu pendant qu'il y a un autre camp qui s'acharne sur une femme. C'est injuste de ta part. Comment une diva arrive à se retrouver au milieu de tout ceci, de cette guéguerre? C'est dommage. Parce que, comme je le disais, on traverse une période qu'on appelle... Je vois quelque part une dépravation de nos mœurs. Parce que dire à une enfant comme Aya Robert, Leslie, ne parle pas comme ça à ton semblable, je ne pense pas que ce soit mauvais. Et j'ai même dit, autant vous êtes mes enfants, Aya et Leslie, Biggie est ma fille. Vous n'avez pas besoin de trouver des méchancetés, tu es vilaine, c'est une femme qui est mariée, qui a des enfants. Ça ne fait pas joli, il ne faut pas la frustrer. Ouais. Elle me parle d'une dame qu'on appelle Makita. Makita. Je ne connais pas Makita. Moi, j'ai parlé en ignorant Makita. Mais dire... Mais elle joue à l'avocat de Makita que parce que les fans de Biggini s'attaquent à Makita. Je ne vois vraiment pas... Moi, vous ne voyez pas le rapport. Je ne vois pas le rapport. Ouais. Comprends. Elles avaient envie de... montrer comment elles ont été élevées, et c'est ce que j'ai remarqué. Wow. Donc je dis que je regrettais d'avoir demandé à Aya et à Leslie de ne pas parler comme ça. Ce que j'aimerais savoir maintenant, puisque vous insistez, vous serez toujours sur les réseaux sociaux, maintenant quelles sont les limites que vous allez vous donner pour éviter que ce genre de situation... Non, quand je dis ça, je ferai des chansons. Ah, d'accord. C'est mon métier. Qui m'amènera à être sur les réseaux. Ouais. Donc ça n'a rien à voir avec ça. Là, c'est pas quelque chose qui peut détruire Aïcha, non. C'est des enfants qui croient que mes 50 ans de carrière, là, c'est étant comme ça, là, sans éducation, ils peuvent jouer à... Non. Quel souvenir de la collaboration avec Alpha Blondy sur la chanson Miri? Très bon rapport. Et puis Alpha, c'est quelqu'un, tous les jours que Dieu fait, on se parle par SMS. On s'envoie des blagues, on rigole et tout. Ils s'envoient des blagues. Parlons de nouvelles générations. Voilà, ça c'est ma génération. Est-ce que vous pensez qu'Aïcha Koné est honorée par les Ivoiriens comme il se doit? C'était la question du sondage. Mais cette question fera aussi l'objet d'un débat. Aïcha Koné est-elle honorée par les Ivoiriens comme il se doit? Non, moi je dis non, voilà, parce que quand on parle d'honorer, honorer par qui? Bon, l'État fait sa part, voilà, les Ivoiriens font oui, leur part. J'ai quand même reçu une distinction ça, oui. De mon pays. Et puis, les Ivoiriens, c'est des gens sincères. Ils vous disent ce qu'ils pensent, mais après, on se comprend. Ça dit, l'Ivoirien n'est pas...
cette personne rancunière là, non. C'est pour ça que j'aime les voir. Oui, ça c'est l'effort. Ça, vous c'est... Vous de nature, est-ce que vous êtes rancunière? Elle ne l'est pas. Je ne connais pas. Non. Elle a dit qu'elle n'est pas rancunière. Je ne connais pas la rancœur, la rancune, mais il y a des situations dans lesquelles on se replie quand même sur soi. Ce n'est pas de la rancune. Hein. D'accord. C'est d'éviter d'être choqué quelque part parce que... Ok. Voilà. Bah, dans cette émission, nous avons plusieurs rubriques. Hein. Mm-hmm. Après, juste avant le face à l'anaconda, on a bien sûr Vérité par l'image. La diva Aïcha Koné, on a plusieurs images à vous présenter de personnes que vous connaissez, peut-être ou forcément, et vous nous direz ce que vous en pensez. Première image, s'il vous plaît. Il s'agit de José. Que pensez-vous d'elle? Oh, le sourire. C'est José qui doit... On doit demander à José qu'est-ce qu'elle pense de moi. C'est la nouvelle génération. Pourquoi? Mais j'ai toujours dit que j'aimais son genre de voix assez grave, posée, qui rappelle le gospel, du jazz. Mm-hmm, surtout du jazz. J'aime bien ça chez elle. Elle fait souvent des chansons à mandingue. J'aime parce qu'elle est sensuelle et elle chante vrai. Sa voix est pure, posée. Voilà. Et elle qu'est-ce qui lui manque? Sentimentale, heureuse aussi avec ses rédiers. Hein? Elle a une vie sentimentale heureuse avec ses rédiers. Mais ouais, mon problème, c'est ce que je peux lui souhaiter comme bonheur. Aujourd'hui, il y a eu tellement de bavardage autour. Mm-hmm. De cette relation-là. Oui, mais je me réjouis pour elle. Écoute, hein, on est en Afrique, c'est pas ce qu'on n'a jamais vu. Merci. Mais quand il s'agit de gens connus, ouais, ça prend une autre tournure. Mm-hmm. Moi, ça, j'ai connu ça aussi on dans n'est pas ma pareil, vie, ouais, avec le papa de Tiaga. Donc, je sais ce que c'est. Non. Parlons d'elle. On la laisse terminer, s'il vous plaît. Parlons d'elle sur le plan professionnel. C'est une bonne chanteuse. Merci beaucoup. Prochaine image. Il s'agit de Madjeni Fitini. Que pensez-vous d'elle? C'est une petite qui me respecte beaucoup. D'accord. Et puis bon, elle fait son petit bout de chemin, elle se bat. C'est une battante. Troisième et dernière image, c'est celle de Kandé Kanté. C'est ma fille. Ouais. Elle a dansé un moment avec moi. Après, elle aimait bien ce que Koli faisait. Elle a demandé à partir avec Slimane Koli. Puis voilà, Kandé, c'est ma fille. J'ai été marraine à son mariage. C'est ma fille. On retient que c'est votre fille. Merci beaucoup pour toute cette sincérité. C'était Vérité par l'image. À présent, je vous le disais, vous avez le face à Anaconda. Machata, vous avez 45 ans de carrière. On est d'accord, 45 ans de carrière. Mm-hmm. En 45 ans de carrière, quels étaient vos rapports avec les marabouts pendant les 45 ans? Vous ne trouverez pas un marabout. Vous ne trouverez pas. Oui. Quelqu'un qui va se dire, je suis marabout. Oui. Et Aïcha est venue me voir pour ça. Non. Dans ma religion, tu n'associes pas Dieu à des gens que tu crois pouvoir faire des miracles. Les prières, oui. Ouais. Il m'arrive de faire venir des gens chez moi, très instruits, lire le Coran dans ma maison pour apporter la bénédiction, prier pour nos morts. Mais dire que voilà un marabout chez qui Aïcha a été pour avoir le succès, je ne connais pas ça. Ah, là, ça me fait vraiment plaisir. Quand on voit sur les réseaux sociaux des lives où vous êtes un peu, pas injurieux, mais on vous manque de respect. Quand on voit Yaka Yaka de Paris, vous manquez de respect. Leslie 5 étoiles, vous manquez de respect. Aya Robert, vous manquez de respect. Est-ce que votre monde-là, c'est parmi ces personnes sans éducation-là? Je vous ai déjà dit ça. Génération Moroba Bourdia. Est-ce que tu as retenu ça? J'ai retenu, mais vous savez comment Moroba Bourdia. Il y a des générations comme ça. Oui, mais comment? Mais écoutez, quand tu manges le riz, oui, ou bien tu as ton riz, tu vas trier, il y a des mauvaises graines que tu vas enlever, mettre de côté. Oui.
D'accord, et puis parce tu que... continues à aller les bonnes graines. Mais une c'est une comme diva, ça, c'est la société. Une diva, vous faites la fierté de la Côte d'Ivoire du monde entier. Mais quand nous, on entend votre nom chez des gens sans éducation, là, ça nous fait mal. On veut que vous quittiez dans ça. Si c'est possible. Hein. Qu'est-ce que tu appelles quitter dans ça? C'est tellement simple. Sur les réseaux sociaux, n'est pas se mêler. Non, mais je ne serai pas sur les réseaux par rapport à cela. Je vous laisse dire. Si j'ai une nouveauté, un truc à mettre... Aujourd'hui, les réseaux sociaux nous aident aussi dans la promotion de ce que nous faisons. Merci beaucoup. Pas forcément ça, les artistes ou les gens qui nous manquent de respect. On ne va pas s'attarder là-dessus. Merci, maman. Merci, merci beaucoup, la diva Aïcha Koné. C'était le face à Anaconda. Avant de continuer cette émission, on a des appels, on a quelqu'un en ligne. On a deux personnes même en ligne qui ont envie de vous faire un coucou. On a Innocent Dibe qui est en ligne. Bonjour, bonjour à la grande famille PPLK. Je suis Innocent Dibe. C'est avec un réel plaisir, un plaisir inexprimable que je constate votre grand retour. Sans oublier que j'ai aussi suivi le retour fracassant de Annie France. C'était vraiment génial. Pour moi, je suis content de vous retrouver. Je suis vraiment content de constater que l'émission, la grande émission, l'émission la plus suivie au monde, a repris. Voilà, je voudrais souhaiter la bienvenue à toute l'équipe. Et aussi, je constate qu'aujourd'hui, vous recevez la reine de la musique africaine. Notre mémé, Maman Aïcha Koné. Merci. Vraiment, c'est avec tous mes respects que je lui dis bonjour. Et ma question est la suivante. En tant qu'une doyenne, en tant qu'une mémé de la musique ivoirienne et africaine, je dirais même du monde, et qu'est-ce qu'elle pense de la génération d'aujourd'hui? Merci beaucoup. Bon retour à vous et que Dieu vous bénisse. Coucou Maman Aïcha, je suis Marie-Jo, artiste-chanteuse. Vous ne vous rappelez peut-être sûrement pas, mais bon, je vais faire vite. Tout d'abord, je bénis Dieu pour votre vie, qui vous accorde la santé, la longévité, afin que nous puissions profiter encore longtemps, longtemps de vous. Amen. Pour faire court, alors je faisais partie de l'orchestre de Freddy Assoba, l'orchestre Akwaba, on était tout petit à l'époque, et on devait vous accompagner sur un morceau d'Iguia. Donc on devait avoir une séance de répétition à l'époque chez Ado, à Marcory. Et donc, n'étant pas prête du tout, parce que j'étais tout petite, je devais avoir à peine 12, 13 ans, ça n'a pas été bien, mais vous n'avez pas eu la langue dans votre poche, vous n'avez dit c'est pas bien du tout, c'est pas bien. On a même été chassés du studio pour faire court, mais on a su qu'on n'était pas prêt. Et c'est parce que vous nous avez dit en face ce qu'il devait être, vous ne nous avez pas caressé dans le sens du poil, qu'on a deux fois plus travaillé et aujourd'hui les résultats sont là. Donc merci Maman Aïcha, que Dieu vous garde et je vous embrasse. Merci beaucoup, Innocent et Marie-Jo. Merci. Un hommage et une question. Que pensez-vous de la nouvelle génération? Sur le plan musical? Oui, sur le plan, oui, sur le plan musical. Ah, il y a de bonnes graines. Il y a de bonnes graines. Vraiment. Il y a de très bonnes graines. On a parlé de José, que j'ai souvent, très souvent, j'aime écouter. Mes enfants aussi aiment. Et puis bon, je ne sais pas, je ne pourrais pas les citer... au projet aujourd'hui? Bon, je me prépare là. Je dois partir sur Paris. D'accord. Incessamment? Ou le 17 novembre, je vais pour une grande rencontre des femmes. D'accord. Qui sont à l'honneur. J'y serai, Inch'Allah. Et puis, le 18 au matin, je prendrai mon vol pour Conakry pour célébrer les 40 ans de Amadou Sodia. D'accord. Merci beaucoup. Voilà. Merci Aïcha Koné pour tout ceci. On n'a pas encore fini. D'abord, je vous donne les résultats de ce sondage. Aïcha Koné est-elle honorée par les Ivoiriens? Vous avez été très nombreux à voter. À 59%, oui. 59% pour vous. Vous considérez qu'elle est honorée par les Ivoiriens comme il se doit. D'accord. On y va pour le PPL Cannes. De l'hymne de la Cannes qu'on a découvert jeudi dernier. J'ai aimé le passage des jeunes qui ont fait une image de toute la Côte d'Ivoire et tout. Ça, j'ai adoré. Mais vous n'y étiez pas. Oui, mais écoute, si on ne m'a pas invité, je ne vais pas là où on ne m'a pas appelé. Hein. Mais n'empêche que moi, j'ai
commencé ma canne pour encourager mes éléphants. Et on aura l'occasion de découvrir cette chanson. Mais quoi qu'il en soit, j'attends toujours. Vous avez je ne pense pas que la Côte d'Ivoire puisse accepter que Maman Africa ne soit pas dans la canne, surtout en Côte d'Ivoire. Écoutez, on a la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous. C'est clair. D'avoir suivi. Je vous l'ai dit, hein, dans quelques instants, vous aurez une prestation. Oui, j'attends. Vous allez interpréter. J'attends. Une chanson pour qui? Pour les éléphants. Pour les éléphants. Pour les éléphants, n'est-ce voilà. pas? Alors, votre dernier mot? Ben, merci. Merci. D'être c'est nous qui vous sur le plateau. On a pu se dire, je pense avoir répondu à vos questions. Qui en a condamné satisfait? Et puis, longue vie. Longue vie à cette télé. Merci beaucoup. Oui, Désirala, ton dernier mot? Oui, c'était pour faire mon coucou. Vas-y. À Maman Anna Kwadjo, Mariam Silla et Evelyne Dosso. Voilà. Merci beaucoup. Vas-y, Marie-Dominique. Je vais faire un coucou à un général qu'on aime beaucoup ici sur ce plateau. C'est général Cho. On t'envoie beaucoup, beaucoup de bisous. Oui, Hervé. Chris-Emmanuel, sois salué. Roxane Saïgon, coucou. Anaconda, un coucou à quelqu'un. Je fais un coucou au meilleur cultivateur de Côte d'Ivoire, Monsieur Ange Blé, sans oublier Monsieur Hugo Garty. Hugo Garty. Bah, la sagesse n'est pas dans la raison, mais dans l'amour. C'est sur ces mots que nous vous disons au revoir. Je vous l'ai dit, la diva Aïcha Koné prendra le pouvoir tout à l'heure sur la planète PPLK, dont ce studio. Ne bougez pas, ne zappez surtout pas. Quant à moi, j'ai été très heureuse d'être en votre compagnie. On se retrouve demain pour un autre numéro de PPLK. Merci. D'ici là, portez-vous bien et très bonne suite. Merci.